Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant les résultats de l'éclosion de l'incubation que nous avons fait il y a de cela 19 jours. Donc, je précise bien qu'il s'agit de l'incubation des œufs de caille et c'est depuis hier que on a commencé à suivre les bruits. Évidemment, il ne fallait plus ouvrir l'incubateur. Et il faut également laisser que les animaux sèchent un peu. C'est la raison pour laquelle on est obligé, dès qu'on suit les bruits, d'attendre environ 24 heures. Et maintenant, nous allons voir ce qui en est. Et nous allons prendre les animaux, les caïdos. Et il est à préciser également que le local de démarrage, les caisses de démarrage sont déjà prêtes. Donc, je vais ouvrir. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Vous vous rendez compte que la réussite est là. Donc, nous allons procéder à prendre en comptant par 5-5, de compter 1. 5-5 et compter 1. Je vais profiter pour vous montrer un peu certaines choses. Là, par exemple, ici, on aura ce qu'on appelle la caille tachetée. Là, on aura une caille blanche, totalement blanche. Et là, on aura les cailles typiques japonaises, grises. Et un phénotype qui est de plus en plus rare parce que nous avons procédé à la sélection compte tenu du fait que le rendement chez eux n'est pas très bon. Et on a procédé au fur et à mesure à une sélection. Et nous sommes en train de prendre des dispositions effectivement pour que ce phénotype reste bien séparé aux autres, mais qu'il soit présent. Donc, vous pouvez observer un peu, le rendement est vraiment là. C'est vraiment, et c'est les résultats d'une recherche. Eh bien, les résultats d'une recherche, après nous aurons à vérifier le reste des œufs pour essayer de voir, évaluer le taux de fertilité, le taux de fécondation, le taux d'éclosion et autres. Donc, nous allons regarder par exemple là. Ouais. Bon, je vais commencer par le bas. Ok. Prends-tu mes dents? Prends-tu mes dents, gars? Et c'est le fils non? Donc, vous pouvez déjà voir ici, on a 125 cailles. 125 cailles tout à l'intérieur. Et ce n'est pas encore fini, on n'a pas encore fini de ramasser. Donc, Daddy,